ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار serviteurs d'Allah et frères et mes sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions Allah de pouvoir s'asseoir dans ces assises où on évoque son nom et on apprend notre religion. Avant d'entrer dans ce sujet, cela nécessite une petite introduction. En réalité, comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran Karim, هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. L'être humain, il est éprouvé dans sa vie. Et le musulman, il est éprouvé. Et les troubles et les tentations, elles viennent l'attaquer et le toucher de toutes parts. Et Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans le Coran que les personnes qui seront gagnants yawm al-qiyamah, ce sont ceux qui sont restés fermes sur la voie du prophète alayhi salatu wassalam et ceux qui se présentent à Allah avec un cœur sain et pur. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant du jour du jugement dernier, le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur sain. Le cœur sain, c'est le contraire du cœur malade. Et les maladies qui peuvent toucher le cœur, elles sont de deux catégories. La maladie des choses équivoques et ambiguës dans la religion. Et une autre tentation des désirs et des plaisirs qui mènent à la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala ou à être manquant dans certaines obligations. La maladie des passions et des désirs, cela se combat avec la force de la foi. Par contre, la maladie des ambiguïtés dans la religion, cela se combat avec la science du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc les fitnes, dans toutes les époques, les musulmans vont les subir, que ce soit du côté des ambiguïtés ou des passions et des désirs. Donc pour revenir dans notre sujet aujourd'hui, qui est un sujet qui concerne les tentations liées aux ambiguïtés dans certains points du dogme ou de la croyance ou de la voie à suivre. On entend souvent le mot minhaj, manhaj, aqida. La majorité des frères et sœurs ne maîtrisent pas ces terminologies-là. Ils répètent comme ils entendent, manhaj, aqida, jusqu'au point où on a pu entendre des bêtises et des contradictions comme quelqu'un a une aqida salafia et un manhaj ikhwani. Deux opposés. Al-manhaj, la voie, c'est la aqida. Et la aqida, c'est le manhaj. Ou bien, chez certains savants, le manhaj, cela découle d'une bonne aqida. Celui qui a une bonne croyance dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sait que le seul à être suivi dans les manières de faire la da'wah, dans la croyance, dans les actes, les moyens utilisés pour faire la da'wah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas à pas. Comment alors il peut être avec une bonne aqida et un mauvais manhaj? Ce n'est pas possible. La personne qui a une bonne croyance en Allah et une bonne croyance dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une bonne croyance dans tous les points de la aqida, alors il ne peut pas être sur un manhaj munharif. Il ne peut pas être sur une voie déviante.
Ce n'est pas possible. À moins que ce soit par erreur. Il s'est trompé dans son ijtihad, dans son effort de déduction ou de compréhension. Mais sinon, ce n'est pas possible. Aussi, il faut savoir qu'à toutes les époques, les choses équivoques et les ambiguïtés sont toujours venues et ont été une tentation pour les musulmans et les gens de la Sunna. Et aujourd'hui aussi, cela existe encore. Quand il y avait l'ignorance, il n'y avait pas de division. Et Allah Ta'ala parle de ça dans le Coran aussi. Que les gens étaient divisés, mais les musulmans, quand ils étaient ignorants, ils ne connaissaient pas ces différences entre les gens, ces différences entre les différents groupes, ces différences entre les sectes égarées et les gens qui sont sur la bonne voie. Tout le monde croyait que tout ça, ça faisait partie de la sunna. Ils ne faisaient pas attention. Mais quand la science est venue, les choses se sont éclaircies. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran en parlant de Banu Israël, qu'ils n'ont divergé qu'après que la science leur est venue. Un des noms du Coran, c'est quoi? Le discernement. Celui qui vient séparer, discerner entre le vrai et le faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, je suis venu pour séparer et discerner entre les gens du vrai, les gens du faux. Le chemin de la vérité et le chemin de l'égarement. Donc si des gens disent, oui, vous les salafis, vous divisez, on dira, oui, on divise comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé, a séparé entre le vrai et le faux. Mais on ne se divise pas entre nous les gens de la sunna. On est tous unis autour du Coran et la sunna du prophète alayhi wa sallam. On entend des termes et des noms. Beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire. On entend Qutbi, on entend Haddadi, on entend Takfiri, on entend Ikhwani, on entend Tabliri. Bon, il y a des noms, il y a des, les gens ils commencent à savoir. Mais certains noms encore, ils n'ont pas saisi ce que cela veut dire. Pourquoi ? Au début de la da'wa salafiyya de ces derniers temps, revivifiée par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis par les grands mashayikh qu'Allah a choisi pour revivifier la da'wa salafiyya. Les ennemis de la salafiyya étaient clairs. Ils attaquaient la salafiyya de front. Et on reconnaissait les salafis des gens qui ne voulaient pas suivre la voie des salafis. Mais comme a dit Cheikh Al-Albani, que alhamdulillah, quand la da'wa salafiyya s'est répandue, elle s'est même répandue chez les groupes égarés. Donc, tu trouveras chez les Ikhwan, dans certains points de la Aqidah, ils sont revenus sur la voie des salafs. Mais ils sont restés déviants dans d'autres points dans la croyance. Tu trouveras chez les Tabliri, certains, par exemple, ils ne vont plus faire certaines choses avec les tombes ou avec les saints. Mais ils restent des Tabliri. Et même s'ils sont restés dans leur secte, leur mal a diminué un minimum. Et c'est pour ça que le discernement, il est plus difficile à faire maintenant. Parce que tu vas trouver un Ikhwani, quand il te parle d'Allah, il parle comme la croyance d'un salafi. Mais quand tu arrives sur le mutabara, sur le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle comme un ikhwani. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se sont fait tromper. Car maintenant, pour faire accepter leur appel au faux, ces différentes sectes et ces différents groupes déviants se sont habillés d'un habit de la salafie. Puisque la saine nature des musulmans, c'est d'être attiré vers le fait de suivre Salaf Saleh. Tout musulman, naturellement, il aime les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aime les tabi'in. Il aime les trois premiers siècles. Et il sait que ce sont les meilleurs des gens. Donc pour faire accepter leurs idées déviantes, ces groupes-là se sont habillés d'un habit salafi. Et utilisent les paroles de nos savants reconnus. Mais ils les déforment. Et ils utilisent les parties qu'ils veulent et délaissent une autre partie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui la tromperie est encore plus grande. Et que le danger est encore plus imminent. Et c'est pour ça qu'il était nécessaire de faire la lumière sur cela. En résumé, la Qutbiyya, c'est des Ikhwani habillés en Salafi. Et la Haddadiyya, ce sont des Takfiri habillés en Salafi. Quand le fikr takfiri a été dévoilé, ils n'attaquent plus directement les savants salafis, mais ils utilisent certaines de leurs paroles et en délaissent d'autres pour répandre leurs idées. Et c'est une des caractéristiques justement des haddadis, la tromperie. Ce sont les spécialistes dans la tromperie et dans la cachotterie et dans le fait de ne jamais se montrer. Tu regarderas tous les prédicateurs qui prêchent la haddadiyya. Même leur site internet, il n'y a pas de nom, il n'y a que des kunyas. Tu ne sais pas qui est derrière. Si quelqu'un est sûr d'être dans la vérité, pourquoi il se cache?
Tu regardes les sites gérés par les étudiants en sciences salafis, leur nom est là. On sait qui ils sont, on sait où ils sont. On peut les retrouver. Amma les sites des Haddariya, non. Tu ne sais pas qui est derrière, qui fait les traductions. Ils mettent des textes, on ne sait pas ça vient d'où. Tout est fait en cachette et en tromperie. Pour finir, avant de rentrer dans la risala qu'on a choisie, justement, qui est Inch'Allah fi soul bil mawdou', comme les gens de la bid'a, à toute époque, ont trompé et interprété, selon leur passion, les paroles d'Allah et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'allons-nous attendre d'eux? Ne croyez-vous pas qu'ils n'ont pas trompé aussi les gens et mal interprété les paroles des savants? S'ils l'ont fait avec les paroles d'Allah et du messager sallallahu alayhi wa sallam, que vont-ils faire alors avec les paroles des savants? Je vais vous citer deux exemples de tromperie. Un des exemples, c'est qu'ils disent que Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, ne reconnaît pas qu'il y a une secte qui s'appelle la Haddadiyya. Et ils mettent un audio du Cheikh où il est questionné et le Cheikh il dit « Je ne connais pas, allez leur demander, je ne connais pas ces gens-là. » Mais pourtant, Cheikh Al-Fawzan, il a fait l'introduction et la devanture d'un livre entier sur la Haddadiyya. Ça, ils ne le disent pas. Comment il va faire l'introduction d'un livre qui s'appelle la Haddadiyya et qui parle que sur ça? Et lui-même, il va dire cette secte, elle n'existe pas. Ça, c'est un exemple de tromperie qu'ils utilisent. Un autre exemple. Ils ont transmis, il y a quelques mois, une fatwa de Cheikh Abdelaziz al-Rajihi, comme quoi il rendait mécréant le roi du Maroc, précisément. Et ils l'ont transmis partout sur leur site. Alhamdulillah, on a des frères qui sont à Riyad, qui fréquentent le Cheikh, ils ont été le voir, ils lui ont demandé, il dit non, non, jamais j'ai dit que je l'ai précisé lui. En fait, il y a une longue question où il y a plusieurs sujets. Dans la question, il a introduit le nom du roi du Maroc. Et le Cheikh, il répond en général. Et la même personne qui a fait cet audio-là, quand il a été critiqué, il a rappelé le Cheikh une deuxième fois. Et il a dit, les gens m'ont critiqué du fait que j'ai nommé le roi du Maroc. Est-ce que c'est vrai que vous ne rendez pas mes créants précisément le roi du Maroc, mais vous avez dit en général ceux qui font telle et telle chose? Il dit oui, je ne rends pas précisément mécréant, mais j'ai dit en général. Car pour rendre mécréant précisément une personne, il y a des conditions à respecter. Et cette audio aussi, elle est présente. Mais cette deuxième audio, ils la mettent pas eux. Voilà quelques exemples de tromperies pour répandre quoi? Leurs idées que la Haddadiyya n'existe pas. Donc ne vous méfiez pas de ces gens-là, ils n'existent pas. Et deuxièmement, qu'il faut absolument faire l'alliance et le désaveu sur le fait de rendre mécréants précisément les gouverneurs, un par un, l'un après l'autre. Qui est la voix des tekfiris, qui ne respectent pas les conditions pour rendre quelqu'un mécréant précisément, mais ils prennent les généralités. Et ils te font croire que ça, ça fait partie de le kufr bit ta'ut, que si tu ne crois pas en ça, tu n'as pas rendu mécréant celui qu'Allah a rendu mécréant, donc tu es mécréant. Comme a dit Cheikh Al-Rudayyan, rahimahullah, quand il a été questionné par un frère de Belgique, sur cette question, ils lui ont demandé sur le fait de rendre mécréant précisément une personne. Il a répondu, je ne connais pas dans le Coran qu'Allah a rendu mécréant précisément une personne de cette communauté, à part Abu Lahab. Mais en général, tous les autres versets sont venus parler de la caractéristique de mécréance. La généralité et non pas précisément une personne. Il lui a répondu, qu'est-ce que tu en as à faire de rendre précisément une personne mécréant ou non? Donc le fait de faire le kufr bit ta'ut, c'est de croire en ce qu'il y a dans le Coran, de rendre mécréants les gens qu'Allah a rendus mécréants. Mais ça ne veut pas dire par là que tu dois précisément croire en la mécréance d'une personne précise. Allah ne t'a pas rendu obligatoire cette chose-là, sauf un mécréant de base. Un kafir, un chrétien, un juif, tu dis c'est un kafir. Quelqu'un qui te montre l'islam, tu dis que c'est un musulman. S'il fait des actes de mécréance, tu dis il fait des actes de mécréance. Mais pour le juger lui en tant que mécréant personnellement, ça il y a des conditions à respecter. C'est pour ça qu'on ne devance pas les ulama sur ce point-là. Le musulman doit savoir comment être ferme dans sa religion. Et ferme sur la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Et ceux qui sont fermes, Allah Ta'ala les a loués dans le Coran al-Karim. Dans Sourate Fussilat, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Certes, ceux qui ont dit que notre Seigneur est Allah, puis qui ont pris le chemin de la rectitude, les anges descendent sur eux par vagues au moment de leur mort en leur disant, n'ayez crainte et ne soyez point affligés, réjouissez-vous de la bonne nouvelle d'un paradis qui vous était promis. La fermeté, ce n'est pas quelque chose qui est lié au corps. Ce n'est pas quelqu'un qui est fort dans son corps qui va être ferme. C'est lié au cœur. D'ailleurs, le prophète, comme il est rapporté dans le hadith Hassan,
de Anas ibn Malik, hadith rapporté par l'imam Tirmidhi ibn Majah, invoquait beaucoup Allah en disant « Ya muqallib al-kuloub, thabbit qalbi ala dinik. » Ô toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » Alors Anas lui a dit « Ô messager d'Allah, nous avons cru en toi et nous avons cru en ce avec quoi tu es venu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu crains pour nous après cela qu'on soit égaré ?» Alors au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Oui, car les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts d'Allah, il les tourne comme il veut, subhanahu wa ta'ala. » De même qu'il faut savoir que chacun d'entre nous a autour de lui des shayatins et des anges qui chacun insufflent des bonnes ou des mauvaises idées. Comme il est venu dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, le shaytan insuffle des idées au fils d'Adam. » Et certes, l'ange aussi insuffle des idées au fils d'Adam. Les insufflations de Shaitan, c'est quand il t'ordonne de faire le mal et de traiter de mensonge la vérité. Et les insufflations de l'ange, c'est quand il t'ordonne de faire le bien et de rendre véridique la vérité. Celui qui trouve qu'il est attiré vers le bien, qu'il loue Allah. Et celui qui trouve autre chose que cela, c'est-à-dire les insufflations de Shaytan, qu'il demande protection à Allah contre le Shaytan. Et il a lu le verset sallallahu alayhi wa sallam dans Sourate al-Baqarah. Le Shaytan vous fait craindre la pauvreté et il vous ordonne la perversité. Alors qu'Allah vous promet un pardon de sa part et des bienfaits. Et Allah est immense et omniscient, subhanahu wa ta'ala, dans le sens des versets. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé des différents cœurs, de la manière dont les cœurs réagissent face aux tentations. Il a dit dans le hadith de Hudayfa ibn al-Yaman, ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Muslim, où Ar-Rab'i dit, ils étaient assis auprès de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Et Omar ibn al-Khattab a dit, est-ce que l'un d'entre vous a entendu parler des tentations? Les gens ont dit, oui. Puis Omar a dit, parlez-vous des tentations concernant la personne dans sa famille et dans ses voisins? Ils ont dit oui, ô Amir Mu'mini. Il a dit, je ne parle pas de cela. Ceci est effacé par la salat et par le jeûne et par les aumônes. Je parle des tentations qui viennent comme des vagues immenses l'une après l'autre. Il a fait taire les gens quand il a dit cela, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Hudayfa a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, les tentations vont être présentées au cœur du fils d'Adam l'une après l'autre, comme les petits bois sont présentés l'un à l'autre et croisés quand on veut faire des nattes tressées en osier. Tout cœur qui accepte ces tentations-là et qui s'y plie, un point noir se fixera sur lui. Tout cœur qui rejette ces tentations, alors un point blanc se fixera sur lui, jusqu'à ce que les cœurs soient de deux sortes. Un cœur noir comme le goudron comme un verre retourné. Il ne reconnaît ni le bien, ni le mal. Et un cœur plus blanc et plus lisse que le mont Safa. Aucune tentation ne lui fera du mal tant que les cieux et la terre sont présents. Puis en parlant du cœur qui a été noirci, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne reconnaît ni bien, ni mal, sauf ce qui est en concordance avec ses passions. Ce que ses passions acceptent, il dit que c'est du bien. Ce que ses passions refusent, il dit que c'est du mal. Comme un verre retourné. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un verre retourné? Est-ce qu'il y a un liquide qui peut rentrer dedans? Non. Tellement, il est important d'être ferme dans la religion que les prophètes ont donné une très grande importance à cela. Et comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surah Al-Baqarah, en citant Ibrahim alayhi salam et Yaqub, et c'est ce que Ibrahim recommanda à ses enfants, ainsi que Yaqub. Ô mes enfants, certes, Allah a choisi pour vous votre religion, alors ne mourrez qu'en étant de bons musulmans, dans le sens des versets. De même, le prophète ﷺ nous a dit que celui qui ne lit pas la Fatiha dans la salat, il n'a pas de salat. Car dans la Fatiha, nous demandons à chaque unité de prière la guider. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Il ne faut pas croire que du fait qu'on soit guidé dans l'islam, on est en sécurité de rester sur ce chemin. La guider, elle est de plusieurs sortes. Hidayatul irshad wa dalala wa ta'lim. Le fait d'enseigner et de diriger quelqu'un vers la guidée.
La deuxième catégorie, c'est le fait d'avoir la permission d'accepter cette vérité. Combien de gens la vérité leur est exposée et ils ne l'acceptent pas, ils la refusent. C'est une permission d'Allah d'être un abd, un serviteur, de se plier à ce qu'Allah a décidé, d'accepter et de mettre en pratique cette vérité-là. Et la troisième catégorie, c'est la permission de rester ferme sur cette vérité-là, sur la guidée. Donc demander la guidée, nous en avons toujours besoin. Ne croyons pas que le fait d'être guidé sur le chemin de l'islam, puis sur le chemin de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qui est le chemin des salafs, c'est une garantie de rester dessus. Nous avons constamment besoin de demander à Allah de nous guider, de nous permettre de bien apprendre, de bien comprendre cette guidée, de l'accepter, de s'y plier, de la mettre en pratique, de rester ferme et de mourir sur l'islam. Et de mourir sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il est rapporté de Sufyan al-Thawri rahimahullah qu'au moment de sa mort il pleurait à chaudes larmes. Un de ses élèves est venu le rencontrer lui disant: ya imam, si tu pleures autant c'est que tu dois avoir fait beaucoup de péchés. Alors il a pris un petit bout de bois au sol, il l'a levé, il a dit: mes péchés auprès d'Allah ne sont pas plus que cela. Si Allah veut, il les pardonne tous. Mais j'ai peur que l'on me retire la foi de mon cœur avant de mourir. Se sent-il en sécurité de la ruse d'Allah? Ne se sent en sécurité de la ruse d'Allah que des gens perdants, dans le sens des versets. Les pieux prédécesseurs ne se sentaient jamais à l'abri de l'égarement. Même Ibrahim, Khalil al-Rahman, Imam al-Hunafa, il dit à Allah: préserve-moi ainsi que mes enfants d'adorer les statues, dans le sens des versets. Comment Ibrahim a.s. qui a cassé les statues avec ses mains, qui est l'imam des monothéistes après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, leur père, malgré ça, il craint de tomber dans la fitna du shirk. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 5 jours avant sa mort, au moment des affres de la mort, qu'est-ce qu'il enseigne à ses compagnons? Qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes et de leurs pieux comme lieu d'adoration, lieu de prière. Ne faites pas cela, je vous interdis de faire cela. Les sahaba qui ont combattu le shirk toute leur vie, malgré cela, la mise en garde contre le shirk et l'appel au tawhid, il l'a fait toute sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne se sentaient pas en sécurité et en garantie d'être sur le bon chemin et de mourir sur le bon chemin. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, au moment de sa mort, ils ont pris sa tête, ils l'ont mis sur ses genoux, son fils. Il lui a dit: tu as fait telle chose, tu as fait telle chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors qu'il était satisfait de toi. Il a dit: mets ma tête par terre. Que ta mère te perde, Ibn al-Khattab, si ton Seigneur ne te pardonne pas. Mets ma tête par terre. Et nous, on se sent en sécurité d'être sur le bon chemin et de mourir dessus. On ne se rappelle pas le hadith d'Ibn Mas'ud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la personne fait les actes des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une coudée. Sa destinée le devance. Il fait un acte des gens de l'enfer, puis il y entre. Qui te dit que tu es sincère? Qui nous dit qu'on est sincère? Peut-être on est des gros hypocrites. Et cette hypocrisie, elle nous rattrape et on meurt à l'al-kufr. Ou alors quelqu'un, même s'il ne meurt pas sur la mécréance, il doit toujours prendre garde de ne pas s'égarer du chemin de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas mourir dans la bid'a, pas mourir dans le péché. C'est pour ça, nous avons toujours, toujours besoin de demander la guidée à Allah. Voilà pourquoi la Fatiha, c'est la dua qui est obligatoire et qui est un pilier dans chaque unité de prière. Et toute unité de prière dans laquelle il n'y a pas la Fatiha, elle est caduque. Et nous demandons dans la Fatiha de nous guider sur quelle voie? La voie des prophètes, des véridiques, des gens pieux et des martyrs et des témoins. Les témoins, ce sont le shuhada, c'est les ulama et les martyrs. Donc, en résumé, la voie des salaf salih. Ce que nous demandons dans chaque salat, ya Allah, guide-nous sur la voie de nos pieux prédécesseurs. Et raffermis-nous sur la voie des pieux prédécesseurs. Si la personne a compris cela, alors elle doit prêter attention à ne pas se mettre en danger. Un savant, à l'époque de l'imam Malik, lui a envoyé une lettre. Vous retrouvez ça dans Majmou' al-Fatawa, dans le chapitre qui parle des attributs d'Allah. Quelqu'un a envoyé une lettre à l'imam Malik, lui demandant la permission de polémiquer avec des innovateurs. L'imam Malik lui a interdit.
Il lui a dit, il suffit que tu ramènes des mauvais arguments, même si tu es dans la vérité, et aux yeux des gens et aux yeux des innovateurs, ils vont croire qu'ils sont eux dans la vérité, car tu as ramené de mauvais arguments. Car c'est toi qui ne sais pas amener les bons arguments. Et il n'a autorisé de polémiquer qu'aux grands savants qui sont capables de les faire taire. Alors que c'était un savant qui lui a posé la question, c'est pas un ami. Aujourd'hui, on trouve tout le monde polémique sur tout. Tout le monde a un avis. Les boueurs, il a un avis. Le coiffeur, il a un avis. Des ignorants, des gens inconnus, ils ont un avis. Encore plus depuis qu'il y a les réseaux sociaux. Twitter ou la Facebook ou la je ne sais quoi. Yahri, tu as ouvert un compte Twitter. Suis les paroles des ulama et tais-toi. Transmets les paroles des ulama, c'est tout. Tu es obligé de faire une explication, un ta'liq, tais-toi. Car tout ce que tu écris, Allah va te demander des comptes. Est-ce que la personne a le droit de parler sans science? Et ça, c'est un malheur aujourd'hui. Car les gens se sentent tout puissants derrière leur écran. Ils peuvent se permettre d'insulter, ils peuvent se permettre de mal parler. Allah va lui demander des comptes sur tout ce qu'il dit, tout ce qu'il écrit, qui il suit, ce qu'il lit, sur son temps. Combien de gens ils sont devant leur écran avec sa femme, ses enfants, ils ne parlent même pas avec eux. Comme il a dit Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah. Sa femme, elle lui parle, lui, il est devant son écran. Sur le lit, il est devant son écran. Partout, il est devant son écran. Il passe même plus de temps pour discuter avec sa famille ou leur enseigner, leur conseiller le bien, déconseiller le blâme. L'importance de ne pas se sentir en sécurité et de faire attention à ne pas prêter l'oreille à des paroles ou à des gens qui pourraient être la cause de notre égarement. Ne te dis pas, je suis capable, moi, de faire la différence. J'écoute tous les arguments et moi, je vais trancher de moi-même. Tu es qui? Quel outil tu as pour trancher? Tu n'as aucun outil pour pouvoir trancher, pour pouvoir reconnaître la vérité du fond. La seule chose qu'Allah t'a demandé, c'est de savoir de qui tu prends ta religion. Cherche les gens de confiance, religion, intégrité, science, chez qui tu peux apprendre ta religion ou demander, et demande-leur. Tu n'es pas responsable du reste de toi-même, faire tes propres recherches. La personne doit connaître sa valeur. Est-ce qu'on veut s'égarer? Combien on reçoit de messages, des mails, des téléphones? J'ai lu tel livre, il dit ça, ça, ça. Comment vous pouvez me répondre? La personne, elle rentre des poisons en elle-même, après elle dit enlevez-moi le poison. Déjà, n'entre pas le poison. Pourquoi tu as été boire ce poison et tu viens nous voir après? Ça, c'est une preuve que nous n'avons pas d'importance pour notre religion. Est-ce que ton corps, tu le mets dans les mains de n'importe qui? Si tu as une maladie grave pour qu'il fasse une opération à cœur ouvert sur toi, ton corps qui va pourrir, qui va devenir de la terre, et ton capital, ta religion, tu les mets dans les mains de n'importe qui. Des inconnus, des sites internet, on ne sait pas c'est qui derrière. C'est pas parce qu'il y a écrit Salafi, ça y est, c'est bien. Il faut voir c'est qui derrière. C'est un talib ilm qui tient ce site. C'est un savant qui est derrière ce site, qui vérifie. Ou un étudiant en sciences, ou quelqu'un qui a un contact avec les étudiants, qui fait vérifier ce qu'il y a dedans. C'est pas tout si tu as écrit Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymeen et Cheikh Al-Albani que ça y est, ça veut dire c'est bon. Les audios, ça peut être trafiqué, inventé même. Il y a des gens, ils peuvent imiter la voix d'un cheikh. Ils peuvent couper ses paroles et faire un montage. Plusieurs montages ont été faits où des morceaux ils ont été coupés des paroles des ulama. Donc craignons Allah et nous ne nous sentons pas en sécurité de l'égarement. C'est ça le message. La guider, on doit la demander. Et on doit faire attention de se préserver des causes de l'égarement. Qabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était à l'ombre de la Kaaba. Il se reposait. Qu'est-ce qu'il venait de subir des mouchriquins? Son dos, ils l'ont mis sur des braises brûlantes. Jusqu'à ce que ce soit la graisse et l'eau de son dos qui ont éteint les braises. Il avait des cratères sur le dos, radiyallahu anhu. Il est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh, messager d'Allah. Pourquoi tu n'invoques pas Allah pour nous? Pourquoi tu ne demandes pas l'aide d'Allah pour nous? Puis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de lui répondre. Il y avait des gens auparavant qu'on mettait dans un trou et qu'on coupait en deux. Ça ne les faisait pas revenir sur leur religion. D'autres, on leur peignait le crâne avec des peignes en fer jusqu'à arracher leur chair. Ils ne délaissaient pas à cause de cela leur religion. Wallahi, Allah va accomplir cette religion. Jusqu'à ce que le voyageur, il va de Sana'a jusqu'à Hadramaut, il ne craint que Allah ou le loup pour son troupeau. Mais vous êtes des gens pressés. D'ailleurs, dans un hadith,
authentique avec toutes ces chaînes de transmission rapportées par l'imam al-Tirmidhi, le hadith d'Anas ibn Malik, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va venir une époque pour les gens où celui qui patiente sur sa religion, c'est comme celui qui tient une braise dans sa main. Le croyant ne peut pas échapper aux épreuves. Mais comment il fait pour rester sur la voie? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, je vous ai laissé deux choses. Si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna. Comme il est venu dans l'autre hadith, sahih, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette communauté va se diviser en 73 sectes, toutes au feu sauf une. Ils lui ont demandé laquelle, il a dit al-jama'a, le groupe. Et dans un autre hadith, il a expliqué qui est le groupe. Ce sur quoi je suis, ainsi que mes compagnons. Et ceci est expliqué dans le Coran, où Allah tabaraka wa ta'ala dit, celui qui fait dissension d'avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que la guidée lui ait été évidemment expliquée, et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants, nous le retournerons sur ce pas, et on le brûlera en enfer, et quelle mauvaise demeure, dans le sens des versets. Ici, Allah ta'ala ne s'est pas suffi de citer seulement le fait de faire dissension d'avec le prophète. Il a dit, et qui ne suit pas le chemin des croyants, qui est le chemin des sahaba radiallahu anhum, et des trois premiers siècles, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs gens sont mon siècle, puis celui qui le suit, puis celui qui le suit. Donc, pour rester ferme dans la religion, comme Allah nous a appris d'être fort, et que le croyant fort, il est meilleur et plus aimé chez Allah que le croyant faible, et que Allah a ordonné même à ses messagers de prendre le livre et la voie bil-quwwa, avec force. Et Allah, il a loué les prophètes qui étaient dotés d'une volonté forte. Donc, ces moyens pour rester ferme, c'est avant tout de réaliser la foi. Et les bonnes actions, et de se conseiller mutuellement la vérité, et de se conseiller mutuellement la patience, comme il est venu dans Surat al-Asr. De même, qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous enjoint, prenez aide dans la patience et dans la salat. Et la salat est quelque chose de très lourd, une obligation lourde, sauf pour les gens humbles, dans le sens des versets. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a enjoint dans combien de versets à patienter et à dire qu'une des caractéristiques des croyants, c'est la patience. La patience, elle est de plusieurs catégories. La patience dans l'obéissance d'Allah, c'est le fait de rester constant et ferme dans l'obéissance. La patience face aux interdits, c'est-à-dire quand on est attiré à faire un interdit ou une passion ou un désir ou un égarement, on patiente, on se retient. La troisième catégorie, c'est le fait de patienter face aux épreuves de la vie, les difficultés, les pertes, les maladies, etc. et de ne pas se fâcher, d'agréer ce qu'Allah a destiné pour nous. Et ceci à plusieurs degrés. Ça, c'est en ce qui concerne mettre en pratique et de réaliser la foi. La foi, c'est le fait de connaître ses piliers, ce que l'on croit avec notre cœur, ce que l'on dit avec notre langue et ce que l'on fait avec notre corps. Elle augmente avec les bonnes actions, elle diminue avec les mauvaises actions. C'est ça la foi. Et c'est le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses messagers, en livre révélé, au jour dernier et à la destinée bonne et mauvaise. Une bonne action, elle n'est appelée bonne action qu'avec deux conditions, qui est faite sincèrement pour Allah, dans laquelle on ne donne pas d'associé à Allah, et une action qui est faite conformément à la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toute action qui ne réunit pas ces deux conditions ensemble est caduque et elle n'est pas considérée comme une bonne action, même si la personne a une bonne intention. Et sur cela, il y a plusieurs versets, comme Allah Ta'ala dit dans Surat al-Bayyinah, on leur avait pourtant ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte sincère et pur, et d'établir la salat et donner la zakat, voilà la religion de droiture, dans le sens des versets. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit aussi, il y a certes pour vous dans le messager d'Allah un bon exemple à suivre pour celui qui espère rencontrer Allah et le jour dernier et qui évoque beaucoup Allah Tabaraka wa Ta'ala. D'ailleurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Surat al-Kahf, celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse une bonne action et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur, dans le sens des versets. Le fait de s'encourager à la vérité, c'est le fait de conseiller le bien et de déconseiller le blâmable. Et Allah Ta'ala a dit, vous êtes la meilleure communauté suscitée aux gens, vous conseillez le bien et déconseillez le blâmable, vous croyez en Allah, dans le sens des versets. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, a expliqué la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est lui qui a créé la mort et la vie
pour voir lequel d'entre vous est le meilleur en acte. Il a dit, celui qui est le plus juste est le plus pur, le plus sincère. Puis il a dit, quand il est sincère et qu'il n'est pas juste, il n'est pas accepté. Et quand il est fait justement d'une manière apparente, mais qu'il n'est pas sincère, il n'est pas accepté. Jusqu'à ce que l'acte réunisse ces deux conditions. La sincérité et d'être sur la bonne voie. Puis il a dit, et l'acte qui est sincère, c'est ce qui est fait pour Allah. Et l'acte qui est juste, c'est celui qui est fait en concordance à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Non. Le fait de lire le Coran et d'écouter le Coran, de méditer le Coran, d'en comprendre ses sens, de le mettre en pratique, c'est le meilleur moyen d'être ferme et d'augmenter sa foi et de ne pas s'éloigner du bon chemin. Car dans le Coran, il y a des règles attenant à la croyance, des règles attenant aux ordres et aux interdits, et aussi les histoires des peuples passés pour qu'on en tire des leçons et pour raffermir notre cœur. D'ailleurs, Allah Ta'ala dans le Coran nous montre la dua, les invocations qu'il faut faire justement, comme Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Notre Seigneur, n'égare pas nos cœurs après qu'ils aient été guidés et octroie-nous de ta part une miséricorde car c'est toi le grand donateur. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala parle des gens qui ont combattu avec les prophètes, qui ont patienté malgré les difficultés qu'ils ont subies. Et Allah Ta'ala dit dans le sens des versets dans Surat Ali Imran, et combien de prophètes ont combattu auprès de leurs disciples. Ils n'ont pas fléchi ni faibli à cause de ce qui les a touchés sur le sentier d'Allah, ni ils n'ont cédé, et Allah aime les gens patients. Donc le chemin de la vérité, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le chemin des salafs, il est parsemé d'embûches. Et il est clair qu'on va avoir des épreuves et des difficultés. On demande à Allah, as-salamata wa al-afiyah, qu'Allah nous préserve. On ne cherche pas les difficultés, mais si elles viennent, on patiente et on reste sur ce chemin. D'ailleurs, le fait de rester ferme sur le bon chemin, c'est une caractéristique des gens du hadith et des gens de la sunna. Quand on voit Ahl al-Kalam, les gens de la rhétorique et les philosophes, ils changent constamment d'avis. Un jour, il dit une chose, dans un autre livre, il dit « Celui qui dit cette chose-là, c'est un mécréant ». Ils se contredisent eux-mêmes. Ils se rendent mécréants les uns les autres, car ils ne sont pas basés sur le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que les caractéristiques des gens de la sunna, parmi les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'in, les imams, les salafs, ils ont patienté sur la vérité. Une personne dont la foi a pénétré son cœur et la douceur de la foi a pénétré son cœur, il ne revient pas en arrière. D'ailleurs, Hirakl, c'est ce qu'il a demandé à Abi Soufyan. Est-ce qu'il y a certains qui suivent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui quand ils délaissent, après ils retournent sur leur pas, il dit non, aucun d'entre eux. Puis il a dit, voilà la douceur de la foi quand elle pénètre les cœurs. Donc effectivement, une personne qui est, alhamdulillah, sur le chemin de la sunna et qui goûte à la douceur du chemin de la sunna et qui l'a apprise et qui l'a comprise, il reste ferme et il ne revient pas en arrière. Aussi, la personne ne doit pas s'attrister et être désespérée quand il voit que les gens sont égarés autour de lui. Que ce soit que la mécréance soit répandue ou bien les innovations sont répandues. La personne ne doit pas s'attrister. Allah a interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'attrister pour cela. Et Allah Ta'ala a promis la bonne fin à qui ? Aux gens pieux. Et que la bonne fin et que la vérité sera toujours au-dessus. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette religion elle a commencé étrange et elle finira étrange comme elle a commencé. Fatouba lil-ghuraba. Effectivement, au début elle est étrange. Et il viendra une autre époque où elle sera étrange. Mais après cette époque où elle sera étrange, elle ne va pas rester étrange. Comme au début où elle était étrange et puis la vérité a apparu et Allah l'a fait vaincre sur le faux, aussi vers la fin des temps, elle va redevenir étrange, elle va réapparaître et elle va vaincre le faux. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la mettre au-dessus de toutes les religions. N'en déplaise aux associateurs, dans le sens des versets. Alhamdulillah, l'islam sera toujours au-dessus de toutes les autres religions et la sunna sera toujours au-dessus de toutes les autres sectes déviantes parmi les musulmans. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est pour ça qu'on ne doit pas être touché par le désespoir et par la faiblesse. Et on doit être fier
d'être sur le bon chemin et être ferme sur ce bon chemin, mais sans orgueil. Fier, mais toujours avec la crainte qu'Allah nous égare, toujours avec la modestie, toujours avec l'espoir qu'Allah nous laisse sur ce bon chemin, sans juger les gens égarés éternellement, en espérant leur guider, et en se disant peut-être que cette personne demain deviendra mieux que moi, même si aujourd'hui on la voit égarée, on espère pour elle qu'elle deviendra mieux que nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait cette miséricorde, même pour les mécréants qui combattaient l'islam. Alors nous aussi on doit porter ce désir de la guider pour les gens, et on ne doit pas être heureux et satisfait de voir quelqu'un égaré. Ça doit nous attrister de voir quelqu'un égaré. Bien sûr, on est heureux quand on voit une tête de l'égarement être dévoilée. Que les musulmans connaissent sa réalité maintenant et ne le suivront pas. C'est ça qui nous rend heureux. Mais on n'est pas heureux de son égarement. Au contraire, on est triste que Shaitan il ait réussi à le récupérer sur sa route. Que ce soit partiellement ou totalement, en le rendant mécréant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura toujours un groupe de ma communauté qui seront apparents sur la vérité. Ne leur feront aucun mal ceux qui les contredisent, ni même ceux qui les abandonnent et les délaissent, jusqu'à ce que l'heure se lève. Alhamdulillah, en toute époque, Allah tabaraka wa ta'ala, comme il est venu dans le hadith aussi sahih, chaque siècle, Allah ta'ala choisit une personne pour faire revivifier cette religion. Alhamdulillah, à toutes les époques, Allah ta'ala fait qu'il y a des savants de la sunna qui viennent faire revivifier la science du tawhid et de la sunna, et qui éclairent le chemin du tawhid et de la sunna, et qui pointent du doigt le chemin de l'égarement pour conseiller les musulmans contre ce mal. Pour finir, je m'enjoins ainsi qu'à vous-même d'être constant, de savoir d'où nous prenons notre religion. De ne prendre notre religion que de sources sûres. Et Internet fait partie des sources. Les livres font partie des sources. La personne que tu vas questionner fait partie des sources. La personne chez qui tu vas t'asseoir pour apprendre fait partie des sources. Donc tu dois savoir de quelle source tu prends ta religion. Nous connaissons tous la parole d'Ibn Sirin, qui dit que cette science est une religion. Regardez bien donc de qui vous prenez votre religion. Donc comment on peut être aussi léger? On voit les gens, ils sont très durs pour savoir avec qui il va prendre des cours directement, mais pour lire les livres ou pour aller prendre des sites internet, il prend de n'importe qui. Au moins la personne physique, c'est beaucoup plus sûr. Tu sais qui il est, où il a été, avec qui il a étudié, avec qui il a des relations. Alors que sur internet, c'est un gros point d'interrogation. Donc première des choses, on sait qu'on va être éprouvé. Les tentations et les épreuves des shahawats, des passions et des choses ambiguës, on ne peut pas s'échapper de cela. Mais comment il faut agir? S'attacher au Coran et à la Sunna. Prendre notre religion des gens de confiance. Et rester ferme et toujours avoir bon espoir que la vérité c'est elle qui va vaincre, car c'est la promesse d'Allah. Et avoir bon espoir dans la guider des gens. On sait que cette communauté va se diviser. Mais nous, on appelle les gens à s'unir autour du Coran et de la Sunna. C'est ça le sens de Ahl Sunnati wal Jama'a. Les gens de la Sunna et du groupe, du consensus. C'est-à-dire qu'ils sont tous en groupe. Réunis, ils ne se divisent pas autour de la sunna, autour de l'anse d'Allah. Donc l'union, elle n'est possible qu'autour de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà comment on doit rester ferme. Voilà les récompenses des patients. Certes, que les patients recevront leurs récompenses sans compter, comme il est venu dans certaines explications des salafs, qu'Allah va leur donner des tas et des tas de hasanats, sans compter, pour les gens patients. Donc il faut patienter et demander pardon à Allah de nos péchés, et savoir que la plupart des malheurs qui nous touchent, ce sont à cause de nos péchés et de nos erreurs. Il n'y a pas un malheur qui vous touche sans que ce ne soit à cause de ce que vos propres mains ont acquis, et encore Allah pardonne beaucoup, dans le sens des versets. Donc, la fermeté, demander pardon à Allah, demander la guider constamment, ne jamais se sentir en sécurité de l'égarement, et s'en remettre à Allah tabaraka wa ta'ala en tout, pour qu'il nous préserve sur ce chemin, avec toujours le bon espoir et en sachant que la promesse d'Allah, elle est vraie, elle est véridique, et la bonne fin, elle est pour les gens pieux. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ما يحب ويرضاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. وقل رب زدني علما.